Salut YouTube, c'est Chris. On se retrouve aujourd'hui pour commencer une série, enfin, ce qui sera peut-être une série sur l'Amargasaurus. Je vais y arriver. Fou, je bafouille à mort aujourd'hui, c'est terrible. Et je vous disais, une série seulement si vous le voulez, parce que je l'ai beaucoup joué dinosaure avec les copains, donc j'ai du stock en réserve en matière de vidéos sur ce dinosaure. Mais encore une fois, tout dépend de votre intérêt. Je vous invite donc à liker la vidéo et ou à la commenter, sachant qu'un commentaire c'est vraiment le top, parce que non seulement c'est un très bon signal pour le référencement sur YouTube, donc ça m'aide à gagner en visibilité et d'agrandir encore notre communauté, mais surtout ça me permet de voir que la série vous plaît, que le jeu vous plaît, ou le dinosaure, l'animal qui est testé, et donc moi ça me permet de savoir que je peux passer du temps à faire du montage, que ça sera pas du temps investi à fond perdu, que derrière ça va vraiment intéresser des gens. Alors que si je poste quelque chose qui m'a pris du temps à faire et que finalement personne regarde, ça n'intéresse personne, bon, je préfère jouer dans mon coin avec les potes et profiter, kiffer ma life et ne pas perdre de temps à monter ce qui ne va pas vous intéresser, pour plutôt me concentrer soit sur le fait de jouer et de me faire kiffer, soit me concentrer sur le montage de choses qui vont vous faire kiffer et qui de toute façon moi me font kiffer à monter, puisque j'ai kiffé jouer, donc si j'ai kiffé jouer je vais kiffer revoir la partie et la monter pour pouvoir vous la présenter. Donc vraiment je le dis et je le redis, je suis désolée de répéter mais c'est vraiment essentiel que vous en ayez conscience, mais quand une série vous plaît, un jeu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes et les commentaires. Comme ça je sais que je peux passer du temps à monter, que ça va vous faire kiffer autant que moi j'ai pu kiffer, et ça c'est hyper cool. Alors, ceci étant dit, cette série pourrait être une longue série, si vous le voulez, sur Path of Titans, parce que on a passé beaucoup de temps déjà à jouer ce dinosaure. Vous allez voir, on est tous une petite famille d'Amargasaurus et c'est très sympa. On a aussi formé un petit troupeau parce qu'on avait avec nous un Cantro. À un moment, on a un Camptosaure aussi qui va nous rejoindre. Alors forcément, comme toute progression dans ce type de jeu, il y a beaucoup de temps mort, mais on parle entre nous, on rigole, on se tape des délires, on cueille des noix. Voilà, c'est un peu le principe de Path of Titans. Et il y a aussi des combats qu'on a menés. Des combats contre des carnivores, des fois bons joueurs, d'autres fois moins bons joueurs. Mais au moins, ça nous mettait de l'action, peu importe. Nous, on kiffe avoir de l'action parce qu'on aime bien se promener, être paisible. On aime bien jouer des herbivores parce qu'on est tous chill, hein, dans le groupe, vous avez remarqué. On n'est pas forcément branché très PVP, mais on aime bien quand même avoir un peu de PVP parce que c'est le but du jeu. Et ça nous met de l'animation, on doit se défendre, on doit protéger les plus jeunes et tout ça. Donc c'est toujours assez cool. Après, le mieux, c'est d'avoir des gens fair play en face, qui n'est malheureusement pas toujours le cas, et c'est ça qui est dommage. En tout cas, on a eu des deux. On a eu des carnivores fair play, on a eu des carnivores moins fair play. Si vous le désirez, vous le verrez peut-être, tout dépend de vous. C'est toujours un peu difficile de monter ce type de vidéo parce que je sais que certains vont vouloir voir que des combats. C'est pour ça que je fais beaucoup de petites vidéos, vous avez vu sur la chaîne, pour vraiment vous mettre que les moments, on va dire, les plus intéressants, comme j'ai fait récemment pour Evrima et tout ça. Et d'autres vont vraiment aimer voir un peu toute la progression, nous entendre parler, déconner parce qu'on est entre amis. Donc forcément, on se connaît, on se taquine, donc on joue dans la bonne humeur. Donc c'est plutôt agréable pour certains de suivre ça, ce que je comprends parce que perso, en tant que viewer, je cherche pas du tout les combats, j'aime bien en voir et tout, surtout s'ils sont bien joués, bien faits. Mais ce que j'aime bien moi surtout, c'est le côté multi dans les jeux vidéo, donc c'est pour ça que je suis un petit peu, c'est un peu dur de monter ces vidéos là, donc j'ai hâte de commencer les lives pour vous permettre en fait de suivre la prog avec nous, et peut-être réserver à YouTube vraiment les séquences un peu plus animées, ou alors mettre carrément une chaîne YouTube de rediffusion complète où je ne touche pas à la vidéo, je la balance comme ça pour ceux qui veulent voir la progression complète, et mettre sur cette chaîne-ci vraiment que les moments principaux, parce que c'est vrai que dans ce type de jeu des fois il se passe rien du tout pendant plusieurs heures et puis d'un coup tout s'enchaîne et il se passe énormément de choses. Donc voilà, à monter c'est un peu la galère, même si j'adore le montage et que c'est toujours un plaisir, je fais toujours au mieux, sachez-le. Après voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez jamais à donner votre avis, tout ça, tant que c'est gentiment formulé, que voilà, vous êtes sympa, pas condescendant, pas agressif, etc. Il n'y a aucun souci à ce que vous vous exprimiez. Je vous l'ai dit, je le répète, la chaîne, j'ai surtout créé pour le partage. Donc plus on a d'interactions, plus on échange, plus je trouve ça vraiment très très bien pour cette chaîne. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle juste que vous pouvez venir jouer avec nous si vous en avez envie, que ce soit à Path of Titans, à Evrima, Day of Dragons, à tous les jeux auxquels on joue, HalfQuest, etc. Tout simplement en rejoignant le Discord de la chaîne. Je vous ai mis les conditions pour rejoindre le Discord de la chaîne en description. C'est pas un Discord qui est public parce que je veux pas passer mon temps à faire de l'administration et de la modération. J'ai des modos que je salue encore une fois, Momo, Warfang, vous êtes fantastiques, merci à vous, je vous dirai jamais assez merci pour votre présence et votre soutien.
Mais pareil, mes modos, ils ont mieux à faire que de passer leur journée à modérer, hein, ils sont bénévoles. Donc si on peut s'éviter de devoir trop faire la police, on préfère. C'est pour ça qu'on met des garde-fous et qu'on laisse pas entrer n'importe qui sur le Discord. En tout cas, si vous remplissez les conditions, sachez que vous êtes vraiment bienvenus. Il y a énormément de jeux qui sont représentés sur le Discord. On parle pas que de jeux vidéo aussi, évidemment, on parle d'écriture, de littérature. Enfin, j'ai une autre chaîne YouTube qui sont dédiées à ces sujets-là. Donc il y a vraiment un crossover des multivers sur le Discord. Mais vous êtes bienvenus, vous allez voir, il y a plein de projets en cours. Bon, il y a souvent des gens qui se réunissent pour jouer à Day of Dragon, ça passe à Titan, à Evrima évidemment. On a aussi beaucoup de joueurs Dark. Là, on va lancer un serveur, par exemple. On a plein de projets de faire plein d'autres jeux. On joue beaucoup à Phasmophobia aussi. Enfin, je pense que vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. N'hésitez pas, si vous êtes quelqu'un de bienveillant, de sympathique, vous êtes plus que bienvenue dans la communauté. Allez, je m'arrête là, je suis désolée, je suis trop bavard. Je vous laisse avec la partie. Bon, après, je peux me coucher. Ah ouais, où est-ce qu'on va? C'est quoi ta quête? Trouver Crowdad Creek. Crowd, je sais pas comment c'est écrit, Crowdon, comment tu l'écris, s'il te plaît? C-R-A-W-D-A-D espace C-R-E-E-K. Ok, merci Red, comme ça je lui ai dit où on va. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de stam du coup, le petit Alberta. C'est pas un Alberta, c'est un Néo. Ah, un Néo, pardon. Un Néo, ouais. Et un Néo, effectivement, ça n'a pas beaucoup de stam. Enfin, quoi. Mais que il le. Il doit être ouf adulte, en termes de puissance, par contre. Non, c'est un tank. Le bébé a plus de stam que l'adulte. Plus tu grandis, moins t'as de stam, mais plus t'as, mais plus t'es résistant et plus t'as de force, quoi. Sur ce serveur, d'ailleurs, j'ai un Néo adulte mâle en défense. Oh, trop bien. Il pète un plomb, Harpy, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, il a fait le foufou, il a perdu toute sa stam, et du coup, il s'endort. Enfin, je sais pas. Si Quand tu dors... Du coup, je lui marche sur la tête. Quand... Ouais, lorsque tu dors, tu la récupères... Tu la récupères plus vite, normalement, mais... Après, tu prends le risque, quoi, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui t'attaque pendant que t'es couché, tu prends plus de dégâts que s'il t'attaquait quand t'es debout, donc... Que si, ouais. Y a ça aussi. J'aime trop jouer Herbivore, ça me rappelle Petit Pied. Oui. Ben, sur Pass of Titan, franchement, je préfère jouer Herbie plutôt que les Carnies, je les trouve plus sympas. Bah, moi je suis plus team Carny, mais ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de cadavres. Est-ce qu'on peut monter? Ouais, il n'y a pas beaucoup de cadavres. Et une des raisons qui me fait préférer jouer Herbie aussi, c'est que quand t'es un Carny, enfin, à moins d'avoir un bon groupe et tout, quand tu chasses. Ah, je vais y arriver! Que tu t'en prends une proie, bah s'il y a des gens autour, que ce soit d'autres carnies ou d'autres herbies, ils vont tous se jeter sur toi et tu vas te faire massacrer juste parce que t'étais en train de chasser. Et ça m'a rendu réticent à rejouer carnie sur Pass of Titan, quoi, parce que ça m'énerve. Vas-y, donne-moi un coup de tête, Inky. On a encore des conversations bizarres, mais vas-y. Oh, t'as... Ah, ça... Quasiment... ça a presque rien enlevé. Ouais. Attends, tu peux voir, j'essaye. Saigne. Non, ça va. J'ai pas l'impression que ça saigne, hein, non. Voir si j'essaye sur l'épaule. Vas-y. Un petit peu plus, mais... Ouais, tu saignes pas, là? Non, j'ai juste un œil. T'as un œil, t'as pas le l'icône vas-y, de... Vas-y, refais, ça avait l'air de... Ah, je regarde ta barre de vie, mais... Si, j'ai quand même j'ai une trace de griffure durant 4 secondes. Ah ouais, ah donc ça fait un petit peu de bleed alors, juste un petit peu. Ok. Juste un petit peu de bleed, ok. Bon bah, on n'a pas l'air de se faire grand-chose, mais je pense qu'on est... On est de défense. On est surtout... On est de défense, donc on est fait pour encaisser, en fait. Mais sur quelque chose de plus fragile, contre... je pense que ça doit faire plus mal, ouais. Roinky, est-ce qu'on peut pas aller vite fait à la grotte ou alors j'y vais? Mais parce que... Tu veux aller à la grotte? J'ai pas mon coup de cœur, okay. En fait. Ok, alors il faut que... Alors attends, où elle est la grotte par rapport à nous?
Parce que si je me fais Astride, en fait, je suis tellement mort. Ouais, si tu te fais Astride, comme tout à l'heure, moi, avec l'Allosaure, c'est le moment où j'avais pas encore le coup de queue, j'étais prêt à l'avoir parce que j'étais à deux pas de la grotte. Mais non, je suis mort. Alors, attends. Il va falloir qu'on descende. Ouais. Ouais. Il va falloir qu'on descende un peu vers le sud. On reviendra par là faire les quêtes parce qu'elles sont pas mal. Okay, par contre, il faudrait peut-être que je mange avant. J'allais faire une push tent, mais non. Remarque, on pourra trouver à manger sur le chemin même, je pense. Ouais, c'est vrai, on y va alors. Ouais. Attends, je vois pas. Je distingue pas mon icône parce qu'on est l'un sur l'autre. Attends. Ah, pardon, attends, je m'écarte. Vas-y. Ouais, c'est par là. Bon, il faudra qu'on fasse gaffe près de la home cave parce que c'est là que je me suis fait tuer par l'Allosaure. Ouais, ok. Ouais, et généralement, il y a toujours des. Des campeurs. Des carnivores qui campent près de ces endroits parce qu'ils savent qu'il y a forcément du passage, donc du coup, bah, ils chassent. Ouais, et des petits jeunes qui vont sortir là. Ouais, et il y a des petits qui sortent, donc évidemment. Je vais sortir. Ah, attends, j'essaye de. Ouais, il y a un truc là. Tu vois, j'avais raison, il y a un cerato. Ouais. C'est un cerato, ouais. Ah, il y en a un deuxième, non? Ou alors salut, il s'est téléporté. Salut. Hello, Maya. Attends, je la démute, tac. Salut Maya. Hello Maya, on va à la home cave. On va à la home cave, ouais. Laquelle? C'est celle de Cascade. Elle est. Attends, je suis pas tranquille, il y a les Cerato, j'ose pas regarder la carte. Ils nous suivent? J'entends encore les. Ouais, ils sont là. Hein. Ouais, ils viennent attaquer, je pense. Et j'ai pas, comme par hasard, je n'ai pas mon coup de queue. Ah bah, il y a la cave de l'Est. Il y a un Allosaure avec eux. Oh non, c'est vrai qu'il y a du. Oh putain. Il est petit. Je crois qu'ils s'attaquent entre eux en fait. Ah bon, ça va. Attends, ouais, ils pourront m'inviter. Ah non, ils sont ensemble, ils sont ensemble, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, attends, je peux pas t'inviter, on va être en plein fight. Dégage. Okay. Ouais. Casse-toi. Attends, non, mais je t'invite dès que je peux. Ouais, il a l'air. Ça a l'air sympa, si vous attaquez pas, on attaque pas, mais le moindre truc. Ouais, d'accord, il fait un cri amical. Bon, moi j'ai. Par contre, j'ai faim. Fais attention, méfie-toi. Ouais, je me méfie. Donc, t'as pas le coup de queue, j'essaie de rester derrière toi en fait. Oh, merci, ouais. Ouais, c'est derrière la grotte, mais j'ai un peu peur qu'il y ait un guet-apens. Ouais. J'ai un peu peur qu'il y ait un guet-apens au niveau de la grotte. Peut-être qu'ils ont d'autres copains au niveau de la grotte, donc je sais pas trop. J'aime pas non plus. Ouais, attends, pareil. J'accélère un peu parce que là, il y a un peu de montée. Ouais, pareil. L'icône de la grotte. Attends, je l'ai perdu. Attends, j'invite Gnome pendant ce temps-là, j'ai un petit répit. C'est. Maya, ouais, vas-y, je suis sûr. Maya sur le jeu au passage. Maya, oui. Maya. T'es là, ok, ça marche. Ah oui, je vois Maddox connecté. Maya. Ah bah, je suis au-dessus de vous, moi. Ah bah, ah, ça se trouve, t'as. Ok, super Maya, on t'a. Ok. Ah, j'espère qu'on sera pas trop loin. Faut que vas-y, tu peux y aller. Que, ouais. Ouais, tu vas mettre le coup de queue et moi il faut absolument que je réussisse à trouver à manger aussi parce que. Je les vois plus, attention, qu'ils soient pas embusqués quelque part. Ouais. C'est par là, tu crois, la grotte, ou faut monter quelque part? Alors attends, c'est. Ouais, on va continuer par là. Il a l'air d'avoir pas mal de stam. Ouais, il a pas mal de stam, ouais. Il a de la stam, bon, tu iras de moins en moins vite au fur et à mesure que tu grandiras, bien sûr. Mais. Mais la stam, apparemment, tu gardes toujours une bonne stam, donc ça va. Ah bah tiens, je vais profiter d'être dans la home cave pour mater la carte et voir s'il y a un buisson pas loin de là où on est, parce que sinon, je vais... Ah, on a une attaque de pattes avant écrasée, un lourd piétinement avec les pattes avant. Ouais, on a un piétinement. À mon avis, ça consomme de la stam, mais ça peut valoir le coup parce que ça doit faire beaucoup de dégâts. Ah, j'ai pas assez d'argent, mais je prends coup de queue, coup de tête. Hein. Oui, le coup de tête, c'est... C'est nécessaire, ouais. C'est nécessaire de pouvoir se défendre. Alors, je suis en train de sortir la Chris, tu veux sortir. Et tu sais pas ce que c'est, les dinos, Maya, autour de toi, du coup? Oh, il y a l'Allosaure à côté de nous. J'arrive. Je sais pas, ça court, je les vois pas encore. Bon, j'espère qu'ils vont pas t'attaquer. On sort, de toute façon. Mais ils sont plusieurs, fait que. Oula. Ils sont plusieurs. Je sais pas, je vois l'Allosaure qu'on a vu tout à l'heure, je sais où trouver de la bouffe si tu veux, c'est par là. Il a l'air d'aller de son côté, ouais, ça va, je surveille quand même. T'as très soif? Ouais. La nourriture herbivore, tu connais pas, c'est des petites baies rouges dans des buissons. Et moi j'ai très faim. Attends, on va manger, d'abord... vas-y, viens, monte, on va chercher ta nourriture.
T'es à combien de soif? Je suis à 10%. Putain, moi, et moi je suis à 10. Et moi je suis à 10% de genre. Bah, écoute, exceptionnellement, on va chacun de son côté. On va chacun de son côté, j'espère que ça va aller. Hein, là, je risque de crever de faim. Ouais. Et moi de soif ou de carnivore? De toute façon, Chris il dit que je suis président, donc je suis président. T'es le président, t'es le chef de la horde. Sur Everyman en tout cas, sur Pass of Titans. Bon, après, sur Pass of Titans, je pense que tu t'en sors aussi. Hein. Mais Inky sur Pass of Titans, il est au taquet aussi, donc ça va. Ouais, j'ai joué souvent du coup. Si, enfin, je suis beaucoup plus à l'aise sur Pass of Titan, y compris pour le PVP, que sur Everima où j'ai pas fait grand chose et où je trouve tout plus compliqué en fait. Que ce soit se repérer sur la carte ou savoir où est-ce que tout se trouve. Quand je suis quelque part, j'arrive pas à me repérer parce que je trouve que tout se ressemble. Et alors que là, ça va. Ah oui. Ah, tu t'y connais pas assez là. Ouais. Ah, ouais, après je joue pas énormément sur Everima. Ah ouais, donc, d'accord. Bon. Bah, moi c'est Everima que je connais bien. Mm. Ouais, si je jouais plus, je pense que. Alors, après, ça y est, c'est... Je pas, ouais. Ah yes, t'es dans la grotte du coiffeur. Ah, je vais prendre un petit campto, ça va vite. Ouais, tu vas voir, c'est rigolo. Par contre, tu feras très attention quand on va courir. Pas que se mettre sous nos pattes parce que il y a des dégâts de. Il y a des dégâts de piétinement. Et toi, ça peut te tuer en fait. Donc. Oui. Ça va pour toi, Chris. C'est quoi votre espèce? C'est un autre. Anamargasaurus? Ouais, c'est un petit. Ah, oh, c'est lui que j'ai regardé. Je sais pas. C'est peut-être Gnome. Attends, mais je t'ai invité, mais là, je sais plus. Non, c'est pas moi. Ah oui, t'étais dans la grotte, ok, super, je t'invite. Et... Ah bah, je peux pas t'inviter. Non, je suis dans le groupe, c'est juste qu'il y a un petit avec moi. Bah, si, Gnome, je l'ai invité aussi. Bah, ouais. Ou alors vous êtes trop loin de nous. Ouais, moi je vois que. C'est peut-être. Gnome, il est dans notre groupe déjà, ouais. T'es vers où, Gnome? Il est tout petit. Il est en train de nous menacer là, il a envie qu'on se batte ou quoi là? Bah, je pense. Parce que s'il a envie de se battre, moi j'y. Tu vas? J'arrive! Gnome, mais, il fait, vas-y, viens, Gnome. Gnome, il fait 10 centimètres et il veut se battre. Ouais. Mais... S'il a envie, je le défonce à coup de tête, hein, y a pas de problème. C'est quoi qui. Un allo. C'est un allosaure, mais il a l'air d'être tout seul. Donc, mais il est comment? Il est. Ouais, il est adulte. Hein. Nous, on est adolescent, mais bon. On est déjà pas mal imposant. Ouais, moi je suis presque ça. Par contre, l'allo qui est fort. Du... Ouais. Ouais, attendez, toi t'es presque sub. Ouais. Est-ce qu'on refile à Maya l'étoile pour savoir où elle est si elle... Je pense qu'elle est. J'ai un Kentro là qui est en face de moi. Un Kentro? C'est peut-être Maya. D'abord c'est toi. C'est toi. Il y a quelque chose d'autre qui marche, c'est quoi? Maya. Ah mon dieu. Ah. Mais c'est qui ça? Qui? Quand quoi? Attends, mais c'est toi. Non, on n'est plus dans le même groupe. Ouais, non, j'ai transféré à Maya pour que Gnome voit si c'est bien elle. Ah oui, c'est moi. Ouais, mais je vois plus ton nom, en fait. Ah ouais, mais c'est le souci qu'on a eu tout à l'heure. Elle est là-bas, Maya. Attends, il se passe quoi en bas, là? Tombe pas. Il se passe des trucs en bas. Ah, il y a quelque chose, c'est le... Il y a quelque chose. Ouais, c'est le... C'est l'allosaure qui fait le malin en bas, là. Il arrête pas de rugir. Ah, attends, faut que je repasse à la grotte pour faire une autre quête. Hein? Je dois faire Attends. Ah, pourquoi, il y a un problème? Je viens avec toi parce que l'allosaure il est devant. Donc. Ok, ça marche. Attends, Maya. Attends, t'es où? Parce que du coup, je te vois. Ah, voilà. Vas-y, tu peux y aller. Je te suis. Où ils sont? Comment on nous entend? Comme ça, si tu veux. Je pense que. On est proche. Si lui veut se bagarrer, je me bagarre sans problème. Mais. Ah, Gnome, je te vois. Ouais, on voit Maya aussi, on voit tout le monde. Ah, t'es déjà descendu, Gnome. Enfin, non. C'est Gnome. Je te dis qu'il est hyperactif, ce petit. Ouais, il a déjà trouvé le chemin. Il a pas de temps, moi. Il veut se bagarrer. Il veut se bagarrer quand il est encore. Quand il est au comme encore juvénile. Écoute, ton grand frère et ta grande sœur. Tu peux pas te battre maintenant.
Donc moi je suis comme... Je suis le non, petit chien. Non, c'est papa-maman. Ouais, c'est papa-maman là, ouais. Et toi, t'es quoi, Maya? le petit chien. Frère. Petit frère ou la petite sœur. Mais avec des pics. Adoptif, ouais. C'est ça. Ah, c'est le Kentro que t'as, c'est ça, Maya? Ouais. Ouais, mais en tant que Kentro, quelle attaque que je devrais plus favoriser? Le coup de queue, forcément. Lequel? Il y a celui que je retiens et celui que je peux tout simplement... Ah, tu peux retenir? Attends. Oui, celui-là. Eh ben, je crois que si tu retiens... Voilà, il va se faire mettre des coups de tête, le morveux, là. Alors, j'étais pas au courant qu'ils avaient déjà mis en action les attaques que tu retiens et que tu relâches. En fait, ça fait plus de dégâts. Ça fait plus de dégâts quand tu retiens et que tu relâches, mais je crois que ça te fait consommer plus de stam si c'est... Enfin, oui, peut-être, je sais pas. Il faudrait que t'essayes. Ouais. Essaye de la retenir et de lâcher pour voir. Ouais, ah ouais. Eh ben franchement, oh, tu fais si t'arrives... Ça fait aucune consommation de stam. Eh ben, si t'arrives à toucher avec ça, franchement, tu vas te démolir plein de monde parce que ça fait beaucoup plus de dégâts. Ah oui, oui. Mais il faut avoir le temps parce que, ouais, du coup, ça met plus de temps à se charger. Il faut bien viser. T'as moins de chances de toucher, je pense. Mais si tu touches, tu vas faire très mal. Ouais, j'ai pas trop. T'as failli te faire attaquer. Ouais. Non. Quand maman se lève, on s'en va et on respecte. Viens ici, fiston. Tu saignes de la queue. C'est bizarre, ça. Non. Tu t'es reçu la botte. Moi. Et ouais, moi, je mets un coup de queue si je te vois arriver derrière moi. Il y a les licornes en bas. Les licornes. C'est un truc vert, non? C'est quoi? Je me rappelle plus. Licornes. C'est des les. Ah ouais, elle est au nord. Par rapport à moi, elle est au nord-ouest. Si on a une waystone. T'inquiète. Attends, je regarde. Si on a une waystone. Ouais, non, pour nous là. Ouais. Ah, on a une waystone. On a une waystone du côté au sud de là où on est. Ah bah, on y va, non, comme ça, on le téléporte. Elle est pas très fréquentée, du coup on a meilleur temps d'aller là-bas plutôt que à la Waystone centrale. On est sûr de se faire gangbang, donc ah oui, la centrale, moi j'étais en succo la dernière fois, c'est pas la peine. J'ai vu trois spinos, je lui dis non, c'est bon, j'y vais pas. C'est vraiment pas la peine d'y aller, ouais. Ok, bon, sauf si tu cherches. Par contre, est-ce qu'on ferait pas la quête des licornes avant? Ok, on tente la... Qu'est-ce qu'il y a? J'entends quelque chose, attendez, bougez pas. Je crois que c'est un bébé. Soit un bébé Mégalania, soit un bébé Croco. Alors on le fume. Allez, viens, regarde. Ah, s'il fonce vers moi, je t'avoue que je vais lui donner un petit coup de tête, il va retourner dans son lac. Voyons voir. À quoi ça ressemble. C'est un bébé Croco. Moi, je pense le fume, allez, on fume, parti. Je pense qu'en te voyant, bébé Croco. Il va pas te. Ouais, bon, moi j'ai rien lui faire, mais. Bah ouais, moi non plus, un bébé, c'est pas un coup. J'ai envie. De... Par contre, là il a l'air de me chercher. Ouais, donc, c'est par contre, s'il te cherche, c'est pas pareil. Ah, ouais, regarde, il est là. Non, je les prends, les couilles, ouais, je vais pas lui demander là. Par contre, gardez-le à l'œil, ouais. Ah, j'arrive pas à descendre. Ah ouais, fallait je crois que je l'ai... là où on était, il est passé en mode sous-marin. Ouais, il est passé en mode sous-marin, je surveillais juste un peu vos arrières. Ouais, vas-y, c'est bien. Il s'est pris un coup de queue. Ouais, il me fait à peine mal, hein, donc. Petit coup de prévention. Laissez-le-moi, j'arrive. Maya, vas-y, fume-le. Il faut essayer d'écouter, voir où est-ce qu'il nage. Parce que. Il est plus là. Attends. Et encore. Oh non, il suit Chris. Ah, il me suit moi? Ou il suit une qui? Oui, oui. Ah non, c'est là, une qui. Est... Attends, je vous mets là. Oui, là, il était vers moi, ouais. Mais attention, gnome. Faut pas trop nager. Parce que sinon. On est juste venu faire la quête, mais bon. S'il a envie de. Il défend peut-être son territoire aussi, ouais. Ou il a envie de se fight.
Ouais, il a envie de se friter, peut-être bien. On le comprend, parce qu'il doit s'ennuyer tout seul dans son lac. Ouais, ça doit être un peu la fête, ouais. Je te laisse les faire, gaffe, parce que... Si jamais... Il est là, attention, Maya, il est sur toi. Ah, ok, ouais, ça peut pas donner de coup de queue dans l'eau. Ah, tu peux pas une fois, ouais. Merde. À moins que j'ai pas réussi à ta... Ça y est, je vous vois. Essayez d'écouter où il nage, ouais. C'est un bon repère, le bruit, lorsqu'ils sont en train de nager. Et il y a Sarfang qui nous voit en plus. Je suis en train de faire les quêtes, hein. Tu sais, je prends les aigles, allez hop. Moi j'ai ma... Il a pas l'air si petit que ça, en fait, hein. Ouais, c'est un... il a encore ses rayures, donc il est bébé, mais... Il est où, est-ce il est où que c'est un coup de queue, parce que ça peut vous faire mal. Ah oui, 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 ça fait mal, ton coup de queue, ouais. D'accord. Essaie d'éviter de me le donner à moi, quoi. Juste... Ouais, ouais. Essaie de le garder pour le croco, ouais. Bon, je vais faire semblant de boire. Enfin, j'ai soif, donc de toute façon, faut que je boive. Donc. Ouais, vas-y, bois. Il a 100% son lac. Ouais, il t'a tapé, t'as réussi à l'avoir ? Oh, 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 il est coincé, vas-y, c'est le moment, là. Tu vas crever. Ah, fuck, il s'est pris... Je crois que moi, je me suis à peine pris des dégâts, mais lui... Ah ouais, je suis vachement costaud, ouais. Bah, je continue il de boire. Il a l'air d'aller mal, quand même. Hein. Oh, ouais, il a l'air d'aller mal, il est pas mal blessé, hein. Il ferait mieux d'aller régène au lieu de se... oui, d'insister. Il est parti régène, je vois plus. Ah, oh, il est là-bas, le gars de l'autre côté. Ah, oh, Arfan il est ici. Yes, on a Arfan. Il est de l'autre côté, regarde, gnome. Si tu tournes sur ta gauche, tu peux arriver direct à lui. Ah, oui. Mais fais gaffe parce que t'es quand même assez petit pour l'instant. Mais là, il est en train de régène. Enfin, bon, moi, les algues, je bois dans son lac. Ouais, prenez les algues. Hein. De toute façon, tant qu'il est en train de régène, il va pas venir. Ce sont des licornes. Des licornes. On veut les licornes. J'arrive, pour... je vais fumer. Ah, il y a... Là, il se casse tout de suite. Il est retourné dans l'eau. Ah, parce qu'il m'a vu.